Coucou, salut, salut, salut à tous et bienvenue. Merci d'être là. Ça se passe ici avec Fée Chantal. Bien sûr, la Fée Chantal. Bien sûr, c'est la guerrière de la lumière. Ça se passe en mode lover. Je vous adore, je vous love, 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 love. Je vous aime très, très fort. Déjà, à l'entrée du jeu, on est en train de me dire quelque chose. Faites attention à certains esprits qui essayent de vous tourmenter, mes amours. Il y a des esprits ici, vous voyez, de certaines personnes. Voyez, qui n'aime pas du tout vous voir heureuse, d'accord? Il y a des personnes qui pensent que vous avez ce que eux ils n'ont pas en fait. Et donc du coup, c'est des fausses personnes d'ailleurs qui essayent de vous hanter dans vos sommeils. C'est des personnes qui essayent de venir vous faire passer des messages qui ne sont pas vrais, qui sont totalement fausses. On essaie de venir vous faire croire parce qu'on sait que vous comptez beaucoup sur votre intuition. On sait que vous croyez beaucoup en vos rêves. On sait que vous croyez beaucoup en vos messages que l'univers vous envoie. Et donc, du coup, on essaye de rentrer, voyez, force by force, d'accord, dans vos rêves, dans vos messages, dans vos pensées, pour essayer de vous tourmenter, pour essayer de vous tourner à l'envers. Et donc, du coup, vous, lorsque ça commence à venir, vous commencez par y croire. Et pourtant, ce n'est pas du tout l'univers qui vous envoie ces messages. C'est par contre ces personnes-là, ces individus-là, c'est-à-dire ces énergie négative là, ces esprits toxiques là qui essayent de vous hanter, je dirais, afin de pouvoir vous enlever quelque chose de bien et pour vous affaiblir votre esprit en réalité. D'accord? Donc, du coup, faites attention ici à votre bien-être. C'est des personnes qui veulent vous rendre triste et qui veulent vous mettre beaucoup plus dans le stress et qui veulent se rassurer que vous avez des dépressions ou carrément vous avez un problème de santé. D'accord? Donc, du coup, on essaie pour d'autres personnes me disent, on essaie de vous enfermer. On essaie de vous enfermer sur vous-même afin que, en fait, vous soyez dépassé, voyez. C'est-à-dire que le monde vous suffit, quoi. On vous enlève tout le monde, en fait. Vous voyez, on essaie de vous faire croire des choses qui n'existent pas et que vous allez finalement fuir le monde, vous allez fuir tout le monde, tout en pensant que oui, ce que vous avez rêvé là, c'est vrai, et puis ou ce que vous avez vu là, c'est vrai, et puis vous allez vous laisser emporter et vous allez vous retrouver toute seule, et seule à seule, finalement, vous allez vous retrouver peut-être assassiné ou voilà, vous allez peut-être vous tuer vous-même. Oui, si on est en train de vous faire vivre des situations calmes, c'est-à-dire des situations redoutables, des situations, c'est-à-dire on est en train de faire traverser des obstacles pas possibles, vous voyez, c'est invisible ici, d'accord? On est en train de me dire, vous avez perdu votre sommeil, votre bien-être, votre équilibre à cause de ça. Faites attention, hein, faites attention avec ce que je suis en train de voir là, je suis en train de recevoir là. C'est des énergies invisibles, toxiques, qui essayent de bouleverser votre vie. Hein, faites attention, c'est des personnes par jalousie sont en train de vouloir vous détruire. D'accord? Ça ne veut pas dire que l'univers ne vous passe pas des messages. L'univers vous passe réellement des messages. D'accord? Et c'est parce que ceux-là savent que l'univers vous passe des messages et savent que vous croyez énormément en l'univers qu'ils se permettent, vous voyez, de rentrer, bien sûr, dans votre vie invisible, dans votre vie intime invisible, je dirais, pour venir embrouiller la carte, en fait. Vous voyez? Donc, faites attention. Ceux qui sont des travailleurs de lumière, on vous dit de faire attention pour ne pas vous permettre d'aller passer des messages qui ne viennent pas de l'univers. Faites attention, d'accord? Parce que ici, il y a des énergies serpents qui viennent ici vous embrouiller et même si vous ne vous purifiez pas, vous ne faites pas les choses à faire, d'accord? Avant de vous approcher, avant de vous rapprocher, bien sûr, de vos temples, de vos cartes et puis de votre mission de vie spirituelle, bien ici, c'est des personnes, c'est des énergies qui vont vous bouleverser et qui vont vous utiliser pour faire passer des messages qui n'appartiennent pas à l'univers. On vous dit de faire attention, mes amours. Il y a ici une notion de guerre invisible. Hein? J'entends la guerre invisible. C'est quoi ça? Donc, du coup, on vous dit, tenez fort, d'accord? Gardez fort votre croyance
ceux qui croient vraiment à l'univers, ceux qui croient à Dieu, ceux qui croient à la croix, bien sûr Jésus-Christ, ceux qui croient à ceux qui sont des musulmans, ceux qui, peu importe en quoi vous croyez ici, on vous demande de rester attaché à ça, d'accord, et rester beaucoup plus dans la prière hein, ces derniers temps. Il y a des menaces spirituelles, on me dit, hein, il y a des menaces spirituelles. Bon, voilà. Alors donc du coup, je pense que là, je vais continuer maintenant. Ici, si tu n'as pas encore suivi le message de la semaine qui est mis en ligne, je t'invite déjà à aller faire un tour très très rapidement parce que ce message t'interpelle, ce message t'appelle, ce message va te réveiller en fait, ce message va te montrer ce que tu n'as pas encore vu, ce que tu ne sais pas encore, ce message va t'apporter un de plus énormément, je te dis, d'accord? Donc du coup, fais un tour déjà à ce message, le message de la semaine, ce séducteur bien sûr qui essaye de t'empêcher d'avoir ta vie normale, c'est-à-dire d'être réellement avec ton âme sœur, n'hésite vraiment pas à faire un tour, tu vas comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Alors, si nous sommes ici dans cette vidéo, c'est déjà pour aller faire la différence entre le faux âme sœur et le vrai âme sœur. C'est déjà pour vous aider à comprendre qui est réellement le faux âme sœur dans votre vie. On va aller dans sa description. On va aller voir comment est cette personne avec vous, c'est-à-dire les comportements qu'a cette personne vis-à-vis de vous. Ça va vous permettre de vous rendre compte que ça, c'est le faux âme sœur. Ça, c'est quelqu'un que j'ai toujours gardé dans mon esprit, que c'est mon âme sœur, mais à vrai dire, c'est pas lui, en fait. C'est quelqu'un, cette personne devrait m'amener, en fait, peut-être, à aller vers mon vrai âme sœur. Je devrais prendre par cette personne pour arriver vraiment vers mon vrai âme sœur, en fait. D'accord? Donc, on va aller aussi, ici, connaître votre vraie âme sœur, et là, vous savez à peu près déjà à quoi vous attendre, et comme ça, dès que vous le rencontrez, vous savez déjà, et ceux qui l'ont déjà rencontré, vous pourriez plutôt, en fait, l'identifier, d'accord? Il y a des personnes, vous avez déjà fait d'autres rencontres, mais qui ne sont pas forcément vos âmes sœurs, donc il va falloir l'identifier. Parce que votre âme sœur, c'est quelqu'un, en fait, avec qui vous aurez du mal vraiment à vous remettre, c'est-à-dire à vous reconstituer. Parce qu'on empêche toujours les âmes sœurs de se rencontrer et que l'union soit faite, en fait. Vous voyez, donc du coup, on va toujours vous emballer à ne pas le reconnaître. Mais si vous savez qui il est, vous avez une idée claire de qui il est, cette âme sœur, ou bien de qui elle est, cette âme sœur, vous aurez une certaine facilité, vous voyez, à l'identifier très, très rapidement. Donc, sans pour autant perdre le temps, avec, bien sûr, ici, petit Lenormand, je vais avancer, bien sûr, pour aller vérifier qui est votre faux âme sœur, et bien sûr, avec l'oracle des miroirs, je vais aller vérifier réellement qui est votre vraie âme sœur, et sans pour autant, ici, vous voyez, laisser tomber les tarots qui vont nous accompagner, qui vont nous dire en quelque sorte déjà, c'est-à-dire l'image de ces personnes-là. D'accord? Donc, du coup, nous voici, nous voilà. Je vous aime très, très fort, je vous adore. Et donc, si vous n'êtes pas encore abonné et que vous êtes sur la chaîne, vous priez déjà à vous abonner, ce n'est que comme ça qu'on s'aime ici, ce n'est que comme ça qu'on s'entraide. N'oubliez pas vraiment de laisser un coup de pouce là, c'est-à-dire sur le petit pouce là, voilà, j'aime, n'oubliez pas d'appuyer sur ça, hein, d'accord, c'est comme ça que vous m'encouragez, avec vos jolis commentaires bien sûr, qui me vont droit au cœur, je dirais, et puis voilà, je ne vais pas faire trop de détails hein, pour vos consultations, vos traitements spirituels, et bien mes portes sont grandement ouvertes pour vous. Alors, donc du coup, je n'ai pas encore forcément pris un message pour quelqu'un, mais déjà, on me parle ici de la joie, du bien-être, après toute une bataille, d'accord? Après toute une analyse, d'accord? Ici, on voit qu'il y aura de mouvements désormais. On me dit qu'il y aura de l'évolution, il y aura beaucoup de dynamisme. Vous allez beaucoup vous battre, en fait, ici, pour aller désormais de l'avant. Vous allez commencer par mettre en place certaines choses, hein, des activités, où vous serez désormais très accroché à ce que vous faites déjà. Et dans ça, vous allez retrouver votre joie, votre bien-être. En tout cas, ici, il y a cette notion de ce que je pense désormais à moi, je suis heureuse de qui je suis désormais, je suis fière de qui je suis désormais, et je m'en vais en fait ici constituer, d'accord, une équipe, une association où je m'en vais participer ici à des groupes
en fait, ici, il y a des associations, tu vois, qui sont comme moi, et puis on pourra vraiment retrouver notre joie, notre bien-être. Et si tu ne fais pas encore partie, bien sûr, de mon groupe d'entraide, je profite, hein, d'accord, pour te le dire. Dans la description, tu as bien sûr le lien, c'est bien sûr le lien Telegram. Tu peux déjà aller, bien sûr, sur le lien pour pouvoir faire partie, bien sûr, de mon groupe Telegram. Et si c'est un lien d'entraide, et il se passe énormément de choses là-bas, je peux te dire vrai, d'accord? Donc, voilà. Voyez, les soins en ligne, je ne le mets pas tous les jours, toutes les fois. C'est pratiquement, voyez, une fois par mois que je le mets, d'accord? Désormais, j'ai choisi de le faire une fois par mois. Les trois soins différents, hein. Bien sûr, le soin de guérison, le soin énergétique, le soin mindset, dont je veux parler de l'ésotérisme. Donc, du coup, ici, ces trois soins, je les mets une fois chacun d'eux, pas moi, désormais, d'accord? Et par contre, dans le groupe là-bas, vous avez ces soins chaque semaine, d'accord? Et en plus de ça, dans le groupe là-bas, il y a beaucoup d'entraide, hein? Beaucoup, beaucoup d'entraide. Vous vous sentez très bien, parfaitement bien désormais, vous ne vous sentez plus seul. Et puis, vous vous retrouvez avec des personnes qui sont comme vous, donc relax, à l'aise, quoi, voyez? Alors, donc du coup, nous allons avancer. Je veux d'abord ici aller savoir qui est ce faux masculin ou cette fausse féminine, je vais tout simplement dire votre fausse âme sœur, d'accord? Qui est votre fausse âme sœur? Comment est-ce que vous pouvez vraiment le reconnaître, cette personne? Oh là là, vous voyez, ça a mal commencé déjà. Hein? C'est une personne à... Regardez, c'est la mort en fait. Hein? On me dit, c'est une personne... qui est venu vous frapper par la mort. C'est une personne qui est venue pour détruire tout ce que vous avez, tout ce que vous avez eu le temps de construire déjà, d'accord? C'est une personne qui sait qui vous êtes, d'accord? À force d'être proche de vous, c'est une personne qui sait qui vous êtes. Et qui a tous les atouts qu'il peut utiliser contre vous pour détruire tout ce que vous êtes, d'abord tout ce que vous avez et tout ce que vous êtes. Donc, du coup, c'est une personne qui agit, d'accord, vis-à-vis de vous, comme quelqu'un qui est sage, comme quelqu'un qui vous protège, quelqu'un qui vous... Cette personne vous donne l'image de quelqu'un, tu vois, qui vous protège. C'est quelqu'un même qui se dit qu'il est votre âme sœur, parce que cette personne vous dit hein, qu'il est votre âme sœur, ou qu'à travers lui, vos ancêtres vous protègent. C'est quelqu'un qui vous donne une image pareille, mais qui sait qu'à vrai dire, c'était pour finir avec vous. Regardez d'abord le mort là qui est là, et regardez le bâton que le mort porte. Vous voyez ce que je dis? C'est quelqu'un qui n'a jamais existé, cette personne. C'est une personne qui n'a jamais existé. C'est quelqu'un qui vient de nulle part. Vous voyez, c'est comme une personne, vous allez voir après que vous allez stopper avec cette personne, c'est quelqu'un qui va disparaître totalement de votre vie. C'est quelqu'un qui n'a jamais existé, ou pour d'autres personnes ici, on me dit que c'est quelqu'un qui a été possédé, d'accord? Quelqu'un qui a été possédé par un ancêtre, ou bien c'est-à-dire par une âme qui voulait se venger. Il y a une âme qui avait quitté ce monde par manque d'amour. On lui a fait énormément du mal, cette âme-là. Et cette âme est revenue pour se venger, et parce que cet autre-là, d'accord, cette personne-là, en fait, est faible, ou bien c'est quelqu'un qui était très attaché aux choses sournoises, aux choses négatives, alors ce mort-là a eu le temps de le posséder et d'affaiblir son esprit et de l'utiliser maintenant contre vous, parce que c'est quelqu'un qui voulait se venger. Parce qu'on lui a rendu, on lui a fait mal, en fait, en amour. Et donc, du coup, c'est quelqu'un, c'est ce mot-là, c'est pas quelqu'un qui connaît l'amour, en fait. C'est quelqu'un qui voulait connaître l'amour, mais qui n'a pas pu vraiment connaître l'amour. Et dans cette nervosité-là, vous voyez, voulait se venger.
Et finalement, lorsque ce mort l'a possédé, malheureusement, c'est sur vous que, voilà, la vengeance là est arrivée. Et ça a tout détruit, hein, chez vous. Pour d'autres personnes, vous avez connu des séparations à cause de cet autre-là. Pour d'autres personnes, vous avez perdu même certains enfants à cause de cet autre-là. Pour d'autres personnes, vous vous êtes retrouvés dans la triangulaire, vous voyez, à cause de cet autre-là. Quelque chose qui vous a détruit, hein, en fond intérieur de vous. Pour d'autres personnes, à l'instant, vous êtes en train de me suivre, c'est-à-dire que, pour ceux qui ont rencontré, bien sûr, leur faux âme sœur, hein, alors vous me regardez là actuellement, vous n'avez plus de vie. Hein. Vous n'avez plus de vie en vous, quoi. C'est-à-dire, vous vous sentez très faible, très déçu. Vous sentez que quelque chose est mort en vous, en fait. Vous voyez, c'est-à-dire, on vous a tout pris. On vous a rendu tellement, je ne sais pas, comment est-ce que... c'est marrant, hein. Donc, du coup, on me fait passer le message de ce que, en fait, ce faux masculin, c'est-à-dire pas masculin, hein, ce faux âme sœur, voilà, c'est quelqu'un qui se fait passer pour une âme qui vous protège, vous voyez, un ancêtre qui veille sur vous. Et donc, du coup, en vous faisant du mal, vous voyez, c'est quelqu'un qui vous fait énormément du mal. Et même quand vous vous en rendez compte et que vous le lui dites, vous voyez, c'est quelqu'un qui va toujours chercher à vous faire croire qu'il est votre âme sœur, qu'il est un ancêtre, ou voilà, en fait, ou c'est vous qui croyez que voilà, c'est votre ancêtre qui vous protège à travers cette personne. Et pourtant, c'est du mal, hein, d'accord, qu'on vous fait énormément. C'est une personne qui a beaucoup peur. D'accord, ce faux masculin, ce faux, oh là là, my God, ce faux âme sœur, c'est quelqu'un qui a beaucoup peur. Et c'est quelqu'un qui est un peu inconnu à vous. Vous, vous dites que vous le connaissez, mais vous ne le connaissez pas, à vrai dire, d'accord. C'est quelqu'un qui ne connaît pas aussi l'amour, d'accord. C'est quelqu'un aussi qui ne connaît pas l'amour. Donc, c'est quelqu'un qui vous fait croire qu'il connaît l'amour, mais il ne connaît rien en amour, cette personne-là, d'accord? Et c'est quelqu'un qui vous met toujours des bâtons dans les roues. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui crée toujours des événements imprévisibles. C'est-à-dire, là, vous vous attendez à ce que, oui, tout s'arrange entre vous, oui, tout peut bien aller. Ben, écoutez, cette personne, c'est le moment où lui ou elle vient mettre des bâtons, en fait, dans les roues. Pour vous, c'est le moment où vous voyez cette personne bibaque avec des énergies très, très toxiques. Et pour d'autres personnes, vous allez vous rendre compte que quand vous avez de l'intimité avec cette personne, vous êtes vidé. Vous vous sentez faible. Vous ne comprenez pas forcément ce qui se passe, justement, parce que l'énergie que porte cette personne, c'est une énergie de mort. D'accord? C'est une énergie d'ancêtre. C'est une énergie d'un mort qui vient pour se venger. Donc, du coup, en plus de tout ça, on trouve ici que cette personne, on lui a pris la vie. D'accord? C'est une personne qui n'est pas du tout dans de bonne énergie. Et c'est quelqu'un qui n'est pas... cette personne n'est pas rentrée dans votre vie pour vous apporter ce que vous attendez. Mais par contre, c'est quelqu'un qui vient détruire, en fait. Vous voyez ce que je dis? Donc, du coup, on parle d'une personne... ce faux âme sœur, c'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte, vous voyez, que vous êtes en train de mettre fin, hein, que vous êtes en train de mettre fin à ce qu'il y a entre vous et lui. Et c'est quelqu'un qui pense vous venger, d'accord? C'est quelqu'un qui veut se venger par rapport à vous. On parle de ce que c'est une personne qui ne veut pas vous laisser faire, hein, ce faux âme sœur-là. Alors, on va aller plus en détail pour aller voir. On va aller plus en détail. Donc, du coup, vous allez essayer de voir déjà de qui je vous parle, d'accord? Ce faux âme sœur, on va aller comment l'identifier. C'est quelqu'un qui doute toujours, qui a toujours du stress. C'est quelqu'un qui veut toujours se faire passer pour la victime, hein, qui veut toujours, en fait, vous faire savoir qu'il est incapable ou bien qu'elle est incapable de faire quoi que ce soit sans vous, en fait. C'est quelqu'un soit qui vous demande toujours de l'argent ou soit qui vous demande toujours d'aide ou soit qui se fait toujours passer pour la victime dans une situation, dans des situations. C'est une personne qui a toujours confiance, vous voyez, aux membres de ses ancêtres, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a beaucoup plus confiance aux divinités, à une croyance totalement différente de la vôtre. Vous voyez, c'est une personne qui sait vraiment, qui s'y connaît dans le monde tradit praticien. C'est quelqu'un qui sait, bien sûr, ce qu'on appelle la sorcellerie noire. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui y croit énormément. Et aux féticheurs, d'accord,
je veux dire à ces personnes qui utilisent bien sûr les objets qu'il faut afin de pouvoir en fait ici travailler par rapport à nos divinités. Donc du coup, c'est quelqu'un qui croit énormément, j'entends, aux faussetés. D'accord, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui croit à des énergies qui ne vous conviennent pas du tout. D'accord, et c'est grâce à ces énergies que cette personne arrive à vous battre en fait. D'accord, ce faux âme-sœur, hein, pour que vous le reconnaissiez, c'est quelqu'un, vous voyez, c'est quelqu'un qui est un séducteur. C'est quelqu'un qui a l'air de toujours vous montrer, vous voyez, qu'il est prêt à vous offrir son cœur, qu'il est prêt à vous offrir tout ce que vous attendez de lui. C'est quelqu'un qui vous fait croire toujours qu'il est dans l'attente et que c'est vous qui perdez le temps et que c'est vous qui ne vous prenez pas au sérieux et que c'est vous qui n'êtes pas prête pour quoi que ce soit. Et pourtant, cette personne sait qu'en vrai dit, vous voyez, qu'elle autre, elle reste toujours accrochée, vous voyez, à une énergie qui ne vous convient pas afin de pouvoir vous dominer, en fait. Hein, donc du coup, cette personne essaie de vous dominer tout en utilisant les esprits contre vous, c'est-à-dire même les énergies toxiques contre vous. C'est quelqu'un qui utilise aussi de la magie noire contre vous, d'accord? Et tout ce que cette personne veut, c'est de vous endormir, hein, de vous endormir, de vous faire perdre votre équilibre et d'être en fait à ses pieds, d'être son esclave en fait, vous voyez? Donc c'est quelqu'un qui essaie de vous flatter, qui essaie, vous voyez, si, quand cette personne finit de vous mettre dans une énergie pareille, cette personne apparaît peut-être avec des bouquets de fleurs ou bien ici vous voyez avec quelque chose de miette ou bien de minime pour vous avouer ses sentiments, vous faire des déclarations d'amour et puis vous vous retrouvez au ciel, hein, d'accord, vous vous retrouvez au ciel et puis vous pensez que oui voilà c'est tout et tout, tout va très bien. C'est quelqu'un qui a déjà sa vie. D'accord? C'est quelqu'un qui a déjà sa vie, c'est quelqu'un qui est déjà marié ou qui a déjà une femme dans sa vie. Donc, du coup, il y a une personne dans sa vie, cette personne est déjà dans un engagement de façon sincère, même si actuellement, il ne s'entend pas avec vraiment cette personne avec qui il est, mais il y a déjà un engagement, d'accord? Il y a déjà une vie, il y a déjà une relation. Attendez, je pousse ça là, vous allez bien voir. Il y a déjà une vie, il y a déjà une construction, il y a déjà quelque chose, quoi. Voilà, j'ai essayé de me rapprocher pour que vous puissiez bien voir, d'accord? Donc, du coup, ici, cette personne a déjà une vie relationnelle, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui a déjà construit une vie, qui a déjà une femme, qui a déjà un homme dans sa vie. Et c'est très clair pour lui ou pour elle, vous voyez. Et cette personne a toujours fonctionné comme ça dans sa vie. Et même avec sa femme, tu vois, c'est quelqu'un qui attache toujours les gens, tu vois, qui jette des sorts aux gens pour prendre le dessus, pour dominer, afin de pouvoir faire des autres de ce que lui veut. Et puis voilà, c'est quelqu'un qui met devant la séduction, qui met devant les flatteries, les jolies déclarations d'amour. C'est quelqu'un qui aime s'habiller aussi, tu vois, qui aime le luxe en fait, mais qui n'a pas le luxe. Quelqu'un qui aime le luxe, mais qui n'a pas le luxe. Vous voyez ce que je dis? Quelqu'un qui peut vous faire croire des choses, qui peut vous faire rêver, mais jamais ce n'est pas le cas en fait. Vous voyez? C'est quelqu'un qui vous a fait connaître l'amour, on me dit. D'accord? Ce vrai amour là. C'est quelqu'un qui vous a fait connaître l'amour et qui vous a fait croire, d'accord, qu'il est parti d'une situation ou qu'il est sorti de sa relation pour vous. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a fait croire qu'il a choisi de vous suivre, d'accord, qu'il a choisi ou qu'elle a choisi de vous suivre et qu'elle a vraiment abandonné, vous voyez, sa vie relationnelle pour vous. Et pourtant, c'est quelqu'un qui sait que la femme qu'il a là, hein, c'est pas n'importe quelle femme. C'est quelqu'un qui est conscient de la femme qu'il a. Il sait que sa femme, en réalité, ou son mari, hein, d'accord, ici, c'est pas quelqu'un qu'on peut affronter, en fait. C'est pas quelqu'un que lui-même peut affronter. Parce que d'abord, c'est quelqu'un qui doute, qui a peur, qui est stressante. Donc, du coup, lui, face à cette femme, c'est quelqu'un qui a pris une femme ou bien un mari qui le dépasse, en fait. Vous voyez? Et puis, cette personne, en réalité, est la même chose exactement que son conjoint ou que sa conjointe. Parce que ici, de la même manière qu'il est un séducteur, pour vous séduire vous, d'accord, il en fait aussi à d'autres personnes. Cette femme qu'il a aussi dans sa vie, c'est aussi une séductrice qui aime aussi séduire les autres hommes, d'accord. De la même manière que lui, il a profité de vous, hein, d'accord, et vous fait croire des choses, cette femme aussi est capable de ça. Elle aussi, elle fait la même chose de son côté avec d'autres hommes.
D'accord? Néanmoins, les deux, même si les deux ne s'entendent pas, même si ça ne passe pas entre les deux à un moment donné, les deux finissent toujours par se comprendre. Parce que, tu vois, à un moment donné, les deux finissent toujours par se comprendre. Parce que ici, il y a une notion de, ils sont, je les vois emprisonnés ici dans un monde. Vous voyez, ils ont beaucoup de monde autour d'eux qui essayent toujours de les ramener ensemble, qui essayent toujours de les défendre, tu vois, qui essayent toujours, de les amener à se rendre compte que oui, en fait, c'était des erreurs qu'ils avaient commis, c'était des problèmes, en fait, tu vois, qui étaient arrivés vers eux, et que voilà, et puis, on essaie toujours de convaincre cet homme-là. Tu vois, on essaie toujours de convaincre cet homme-là ou bien cette femme-là à toujours retourner avec cette femme ou avec cet homme. Mais le problème qu'il y a dans ça, c'est quoi? C'est-à-dire que cet homme-là, de la même manière qu'il vous trompe, c'est-à-dire qu'il essaie de vous mentir par rapport à sa femme, c'est-à-dire que sa femme aussi a quelqu'un d'autre dans sa vie. Sa femme a quelqu'un d'autre dans sa vie et cette femme est amoureuse de quelqu'un d'autre et non de lui. D'accord? Mais parce qu'il y a un monde autour d'eux qui essaye toujours de les mettre ensemble, ben écoute, ils essayent de faire avec, mais les deux se trompent en fait. Vous voyez, on est ensemble, mais on ne s'aime pas, donc du coup, on fait quand même ce qu'on nous demande de faire. Il y a la famille, il y a les enfants, il y a l'entourage, donc du coup, vous voyez, on va rester dans cette énergie, tu vois, de leur montrer que ok, on est ensemble et tout, mais chacun de nous, tu vois, on fait de notre vie de ce qu'on veut, quoi, tant pis, quoi. Tu vois ce que je dis? Donc du coup, c'est quelqu'un qui vous a fait croire qu'il vous aimait et que voilà, vous pouvez lui faire confiance. Et c'est quelqu'un qui vous rencontra régulièrement, avec qui vous discutiez, hein, en s'entendant là régulièrement. Mais vous-même, vous savez que ce n'était pas ça. Vous-même, vous savez que ce n'était pas ça. Parce que c'est quelqu'un de très frivole, cette personne-là. C'est quelqu'un qui est un peu partout, pendant que vous, vous êtes garé là. Vous êtes là dans l'attente, à l'attendre tout le temps, à attendre que voilà, qu'il se décide, qu'il fasse quelque chose. Mais pendant ce temps, lui, il est en train d'aller voir d'autres femmes. Vous voyez, lui, il est dans les bras d'autres femmes. Lui, il vit sa vie, ou bien elle, par contre, elle vit sa vie, elle est avec d'autres hommes. Elle est frivole, elle s'en fiche, quoi. Mais vous, vous êtes là à l'attendre. Oh, il va venir, mais non. En fait, je l'attends, je sais que c'est mon homme, je suis amoureux de lui. En fait, je vois, oh là là, de tout pas, c'est pas lui. Lui, il n'a pas ton temps. Lui, il est quelque part dans les culs de quelqu'un là. Hein? Et puis après, il va revenir te faire croire que oui, ok, reste là, hein, attends-moi là, d'accord? Attends-moi là, hein? Parce qu'il est bien rassuré, il y a la lune, il est bien rassuré qu'il a déjà en fait jeté certains sorts sur toi, qu'il a déjà fait certains attachements sur toi, donc tu n'auras pas d'autre choix que de rester là, l'attendre en fait. Tu vois, toute ta vie, hein? Tu vas rester là, l'attendre toute ta vie, lui, il sera en train de frivoler, d'être partout, d'être avec qui il veut et tout, voilà. C'est marrant, d'accord? Alors, je pense que je vais clôturer. J'espère que tu arrives déjà à identifier cette personne, hein, avec deux cartes encore. Ce faux âme sœur dans votre vie, comment le reconnaître? C'est quelqu'un qui fait toujours des histoires avec vous. Vous voyez? C'est quelqu'un qui a un visage bizarre. Attendez, je vais vous dire. C'est quelqu'un qui fait toujours des histoires avec vous, qui aime toujours vous mettre dans des conflits, dans des situations désagréables où vous ne vous entendez pas, vous ne vous comprenez jamais, c'est toujours des histoires, des problèmes, et c'est une personne qui se fait passer souvent pour la victime, c'est-à-dire, et qui est toujours jalouse, en fait, de vous, voyez, ou qui vous amène, vous, à être tout le temps dans la jalousie, dans une énergie de jalousie, alors qu'en réalité, vous n'étiez pas comme ça, d'accord? Parce que cette personne est un peu partout. D'accord? C'est quelqu'un qui est comme ça. C'est sa vie, ça. Vous voyez? Donc, du coup, c'est ce qu'il n'arrive vraiment pas à faire avec cette femme dans sa vie. Parce que quand il montre à cette femme de quoi il est capable, tu vois, d'être un peu partout, d'être avec toutes les femmes, elle aussi, elle va faire la même chose que lui pour lui montrer aussi que, ben, écoute, je ne suis pas aussi non plus à ça de près, en fait. Mais par contre, avec vous, il arrive à le faire parce que vous, il arrive à vous poser là et aller faire sa vie et faire tout ce qu'il a envie de faire, des conneries et tout et tout, et revenir vous chanter du chantage, vous faire des chantages, vous faire des histoires, vous voyez, qui n'existent pas et qui n'existeront jamais. Alors là, c'est quelqu'un qui aime beaucoup vous faire des histoires ou vous met toujours en colère. D'accord? C'est quelqu'un qui a trompé une femme ou bien un homme pour, c'est-à-dire, grâce à vous, je ne sais pas comment vous le dites. C'est quelqu'un qui était dans une relation et qui a trompé sa femme avec vous, en fait. Vous voyez ce que je dis?
Et donc, du coup, le fait qu'il a trompé cette femme avec vous, il vous voit comme étant vous aussi, vous pouvez le tromper avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est quelqu'un qui voit en vous ce que lui fait. Et donc, du coup, ne vous faites jamais confiance. C'est quelqu'un qui sera toujours là, fait des histoires, des trucs qui n'existent pas. Avec cette personne, vous êtes toujours dans la divergence. Hein? Si ce n'est pas des histoires aujourd'hui, c'est des histoires demain. C'est une personne très infidèle, très, très infidèle et qui aime semer souvent des désaccords entre vous. C'est quelqu'un aussi qui veut toujours vous faire porter le chapeau de ce que vous n'en avez pas. Vous n'avez rien fait, mais cette personne veut toujours vous dire que vous avez fait. Vous voyez? Des histoires. Et au même moment, on trouve que c'est une personne qui essaye encore de prier avec vous, si vous voulez, hein, si vous êtes prêt, cette personne aussi est prête. Si vous lui dites, ben, viens, on va prier, vous voyez, il faut qu'on fasse des efforts pour notre relation, cette personne est prête, hein, cette personne prie aussi avec vous, essaie de vous donner l'impression de, oui, il est sincère dans cet amour, que lui aussi, il est en train d'implorer les dieux, qu'il est en train d'implorer les ancêtres, qu'il est en train d'implorer le ciel, pour que voilà, tout se passe bien entre vous. C'est quelqu'un qui vous a illusionné, en fait. C'est quelqu'un qui vous a fait croire qu'il est prêt à s'installer avec vous, hein, tout simplement. C'est quelqu'un qui vous a fait croire qu'il est prêt à s'installer avec vous. Vous avez vu? C'est quelqu'un qui vous a fait croire qu'il est prêt à s'installer avec vous, tout simplement. Et qui a mené beaucoup d'images, beaucoup d'efforts pour vous faire croire que oui, en fait, je suis prête à m'installer avec toi, je suis prête à concrétiser avec toi, mais qui sait la finalité, hein. Cette personne sait que la finalité, c'est que oui, il va vous laisser tomber, il va partir. Hein? C'est quelqu'un qui savait que dès qu'il va finir sa mission dans votre vie, là, il va se séparer de vous et puis il va s'en aller pour aller saisir en fait une opportunité avec sa femme, hein, d'accord? C'est-à-dire aller reconstruire et mettre de l'ordre, tu vois, avec sa femme et puis voilà. C'est quelqu'un qui compte énormément sur sa femme, hein, je peux vous dire vrai, hein, et qui compte sur cette autre femme-là qui est dans sa vie. Hein. Cette personne n'aura rien de rien à foutre avec vous, d'accord? Et c'est quelqu'un, même à chaque fois, quand ça ne passe pas entre vous et que vous êtes en séparation, c'est quelqu'un qui revient toujours dans l'objectif de vous convaincre, vous voyez, qui essaie de faire des efforts pour vous prouver que oui, il a changé, ou en fait, il est en train de changer, des trucs comme ça. L'objectif, c'est juste pour vous retrouver dans son lit, hein, d'accord? Et puis, ou bien, voilà, vous affaiblir une fois de toutes, parce que de toute façon, lorsque cette personne a d'intimité avec vous, il vous prend beaucoup de choses. C'est un vampire ici énergétique. Il vous enlève tout ce que vous avez comme joie, comme bonheur, comme bien-être, comme équilibre. Cette personne vous enlève tout. Et dès que cette personne vous quitte, après vous sentez que vous êtes vide. Vous devenez faible, souffrante, pleurante, stressante, tout à la fois. Donc du coup, on vous dit, c'est voilà comment vous allez pouvoir reconnaître en fait ici ce faux âme sœur. Si vous arrivez à identifier tout ça sur une personne, alors là, soyez-en sûr que vous êtes avec la fausse personne et que vous êtes en train de vous tromper par rapport à cette personne. Donc, il va falloir faire demi-tour. Je pense que je vais lancer une deuxième vidéo carrément pour le vrai âme sœur afin que vous puissiez vraiment l'identifier. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci d'avoir été là. On va donc se dire ciao, ciao. Au revoir et bye bye.